Bon les amis, aujourd'hui je vais vous montrer 10 métiers secrets que vous ne connaissez pas sur Brookhaven RP et qui viennent tout juste de sortir. J'ai trop hâte de vous les montrer, ça va être incroyable. Fofon, j'espère que t'as pas trouvé des métiers dangereux. Mais non, voyons Doggy, il n'y a aucun métier dangereux, t'inquiète pas, c'est pas du tout mon genre. Tu es louche, Fofo. Bref, on va commencer les amis par aller voir la police. Et je préfère vous prévenir maintenant, mais le dernier métier secret va vous choquer, ça va être de la folie. Mais avant qu'on découvre le premier métier, n'oubliez pas qu'il y a des Robux à gagner dans cette vidéo pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin. Alors n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à commenter ton pseudo Roblox pour faire comme cet abonné qui vient de gagner 1000 Robux. Oh mince les amis, j'ai complètement oublié de mettre ma tenue de policier, enfin de... vous allez voir. Oh là là, il faut que je la mette pour paraître sérieux, sinon ils vont jamais m'accepter. Et en plus, il y a un nouveau métier secret là-bas. Et hop, voilà. Ok Fofo, mais du coup, c'est quoi le métier caché au commissariat? Tu vas voir Doggy, on y va. Bon les amis, comme vous pouvez le voir depuis la nouvelle mise à jour, le métier secret numéro 1, c'est l'unité canine. Et si vous savez pas ce que c'est, bah en fait, je vais vous l'expliquer. En gros, dans ce métier, c'est des gens comme des policiers qui utilisent des chiens pour aller chercher des objets qui sont perdus. Ou bien pour attaquer des criminels qui échappent à la police. Fofo, tu es coincé du fiac ou quoi? Comment ça Doggy, t'es pas sérieux? Bah là, on se croirait dans un musée ou à l'école, Fofo, l'intello. Passe plutôt à l'action au lieu de tes explications moisies, c'est mieux. Oh, ça va Doggy, j'expliquais juste aux abonnés. Les amis, pourquoi mon talkie-walkie s'est allumé? Hey, je sais pas qui y a au commissariat, mais j'ai besoin des chiens d'attaque à la maison 11. Vite, y a danger. Oh, quelqu'un a besoin de nous, je vais lui répondre. Ok frérot, on arrive. Super Fofo, on va enfin pouvoir tester ce métier. Ok oui, super. Bon, attendez 2 secondes, je prends le chien qui mord et on y va. Bon les amis, j'ai pris ce chien méchant, j'espère qu'il m'écoutera. Il fait flipper, il a l'air dangereux. Et les amis, vite, mettez un gros like à cette vidéo pour sauver tous les animaux abandonnés de la terre. Un like égale un animal sauvé, sauvons-les tous. Hey, ça aurait été plus rapide si tu m'avais pris, Fofo Crut, t'abuses. Désolé Doggy, mais toi, t'es pas entraîné pour faire ce genre de mission spéciale. Tu sais que manger des steaks. Vas-y, il pue trop ce chien, va avec lui, t'es plus mon maître. Oh, ça y est, on est enfin arrivé à la maison 11. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe, monsieur le policier? Je suis Fofo de l'unité des chiens de Brookhaven. Oh, tu es là, toi. Eh bien, pour t'expliquer rapidement la mission, je pense qu'il y a le criminel qui se cache à l'intérieur de cette maison. Mais rien ne bouge alors, on a besoin du chien pour sentir s'il y a quelqu'un dans cette baraque. Mais d'abord... policier à faire renifler une feuille au chien. Eh bien c'est simple Doggy, il lui fait sentir l'odeur du criminel. Ouais parce que c'est sa feuille de PQ. Comme ça, si le chien reconnaît son odeur, eh ben on le retrouvera plus rapidement et on saura que c'est lui. Vas-y mon chien, tu peux y aller. Ok, viens Rex mon chien, on y va à la chasse au criminel, reconnais-le. C'est quoi ça? Mais comment on va faire pour trouver le criminel avec une telle odeur dans la maison? Ah sérieux, ça pue du fiac. Bon, j'espère que le chien que je tiens en laisse va nous trouver des choses intéressantes parce que là... Alors Rex, t'as trouvé un truc? Papa, je crois qu'il a trouvé un indice, c'est ce qu'il veut te dire. Oh mon dieu, regarde Doggy, il y a le téléphone du criminel, incroyable. Bon travail petit chien-chien, maintenant retrouve le criminel, il doit pas être très loin. Bon, c'est le dernier endroit de la maison qu'on n'a pas vérifié, j'espère que c'est le bon. Bah c'est bizarre, il est pas ici. Je crois qu'il a trouvé. Attendez les amis, il y a un souci, il y avait pas de plante ici quand je suis descendu un peu avant. Oh, il aboie de fou, chut Rex. Eh le criminel, sort immédiatement de cette plante, je t'ai vu. Waouh, incroyable, le chien et toi, vous avez trouvé le criminel, juste en sentant son odeur, c'est fou. Eh ouais Doggy. Allez, viens la fuyard, je te menote, tu vas aller en prison, lascar. En tout cas, ce métier est incroyable, et c'est que le premier de la vidéo. Avant de passer au prochain, allons ramener ce criminel au policier pour avoir notre récompense. Bon monsieur le flic, tenez le criminel et le chien aussi, j'en veux plus. Hey, attends, où tu vas comme ça? Et ta récompense franfreluche. Désolé, je démissionne, j'ai d'autres métiers à tester. Les amis, question pour 1000 Robux. Vous pensez que combien de métiers qu'il reste dans la vidéo vont tourner à la catastrophe? Soit 1, soit 3 ou soit 9 métiers secrets? Mettez votre réponse dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Je choisirai un ou une abonnée pour les Robux. La réponse dans la suite de la vidéo. Bon, entre temps les amis, je me suis changé. Alors devinez un peu quel deuxième métier secret je vais vous montrer. Fofo, tu vas devenir un chevalier? Mais non Doggy, regarde, je vais te montrer, tu vas pas y croire. Eh bien le deuxième métier c'est forgeron. Forge quoi? Forge
Boyard. Mais non, si vous saviez pas ce que c'est, les amis, eh bien c'est quelqu'un qui fabrique des armes, comme des épées par exemple, pour les chevaliers. Et je vais vous montrer comment on fait. Vous voyez cette grosse pierre là-bas? Je vais aller la fracasser avec mon marteau. Attention Fofo, le château va s'écrouler si tu fais ça. Mais non Doggy, les amis, ça risque d'être un peu long, mais je vais accélérer pour vous montrer le résultat final. Allez, on tape. Ah, c'est dur. Oh, voilà, c'est parfait, j'ai réussi à créer une épée, tada. Ou alors, je peux aussi faire une hache, comme ça, la classe, vous trouvez pas? Fofo, t'as super bien fait les armes. Je crois que si tu vivais au Moyen-Âge, le roi serait content de ton travail. Oh mon dieu, mais attendez, quoi? On a remonté le temps, là, ou quoi? D'où y a un roi dans ce château? C'est quoi ce délire? Bonjour, monsieur le forgeron, comment se passe votre travail dans mon château? Bonjour, mon roi, mon travail se passe à la perfection. Regardez ce que j'ai créé. Très bien, jeune forgeron, j'avais justement besoin d'une nouvelle arme pour la prochaine guerre. Je la prends direct, ça va castagner du romain. Fofo, trop drôle ta réaction. On aurait dit que tu allais te yèche dessus face au roi. Hey, mais c'est pas de ma faute, Doggy, ils sont arrivés d'un coup, ça m'a fait trop peur. Je croyais que le château était abandonné, moi. Par contre, j'ai pas osé dire, mais il avait son slip à l'envers, le roi. Enfin bref. Bon, je vais partir en douce de ce château en espérant pas me faire choper par le roi. Oula, attends, y a pas de roi ici, c'est quoi ce délire? Je crois vraiment qu'on a remonté dans le temps pendant quelques minutes. Fofo, on devrait se barrer pour tester le troisième métier, non? Ouais, c'est clair, Doggy, je resterai pas une minute de plus dans ce château chelou. Bon, cette fois-ci, les amis, je pense que ce métier-là est simple à deviner. Et si vous ne l'avez pas encore deviné, je vais vous le dire, eh bien, c'est guide touristique. Allez, venez avec moi en voyage, les amis. Je vais vous faire découvrir des choses que vous ne saviez pas sur la ville de Brookhaven. Bienvenue à bord, les vacanciers. Alors, tout d'abord, un guide touristique, c'est une personne qui vous montre les endroits les plus connus d'un pays ou d'une ville et qui explique leur histoire. Par exemple, la tour Eiffel à Paris, c'est sûr que vous connaissez tous. Oh, mais attendez, il y a deux touristes qui viennent d'arriver dans la ville et qui sont sur le bord de la route. Bon, eh bien ici, vous avez une magnifique ferme qui est donnée de génération en génération. Le fermier s'appelle Albert et il est tout le temps vénère. Ouais, en fait, c'est naze, ce bus touristique. Il y a rien d'intéressant dans Brookhaven. Ouais, il y en a marre des explications moisies du mec. Je préfère aller faire du poney. Petit poney. Ah bah d'accord, je suis aussi ennuyeux que ça dans mes explications. Oh, alors, bah j'ai dit à peine une phrase. Ils m'ont pas respecté, wesh. Bon bah, Fofo, ce métier est vraiment pas fait pour toi. Passe au suivant. Bon bah, passons à l'autre alors. Bon les amis, pour le prochain métier, ce n'est pas prof de sport, mais coach sportif. Et si, encore une fois, vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est une personne qui vous aide à être le meilleur dans n'importe quel sport. Bon bah, moi j'ai choisi d'entraîner les gens à la natation, dans la piscine. Maintenant, il me reste plus qu'à vous montrer. Ça va gagner des médailles d'or aux Jeux Olympiques avec coach Forlan. Bon ma grande, tu es prête à tout gagner? Oui monsieur le coach, je suis prête. Bon c'est parti, je te chronomètre, ne me déçois pas. C'est parti dans 3, 2, 1, plonge. Ouah, elle est super rapide, c'est dingue. Ouais, la dinguerie, elle enchaîne record sur record. J'ai l'impression que je suis inutile tellement elle est forte. C'est bon, j'ai fini monsieur, alors j'ai bien géré ou pas? Oh oui, tu as super bien nagé. Et je pense que tu pourrais être championne du monde si ça continue comme ça. Quoi vraiment? Trop cool, mes parents vont être super contents de mon niveau. Mais attention, ce n'est pas fini. Tu vois le grand plongeoir en haut? Oui, je le vois, pourquoi? Eh bien, il va falloir que tu sautes dessus et que tu fasses un salto en arrière en plongeant. Oh d'accord monsieur, j'y vais, youpi. Fofo, je le sens pas du tout ce que tu viens de lui dire là. Mais non, t'inquiète Doggy, c'est une professionnelle et... Ah, je glisse. Trop mal. Oh mon dieu, Sarah, est-ce que ça va? Oh, c'est pas vrai, elle a fait une chute de 20 mètres de haut. Ma carrière de nageuse est ruinée. Ah. Oh là là, Fofo, elle est morte, comment on fait? Oh là là, oh bon, tant pis, je me tire, on passe au métier suivant. Oh là là, je suis désolé, c'est pas vrai. Bon les amis, c'est que le cinquième métier secret de la vidéo, et il est méga dangereux. Je suis aujourd'hui un chasseur de tornades. Et si vous savez pas ce que c'est, eh bien c'est des personnes qui essayent de filmer une tornade le plus proche possible pour faire la meilleure vidéo, mais c'est super risqué parce qu'on peut se faire emporter à tout moment. Ah non, Fofo, je crois qu'on est trop proche de la tornade.
Oh ouais, je crois que je vais être malade à force de tourner comme ça. Accroche-toi, Doggy, on doit réussir. Vite, sortons la caméra, on doit pas louper ça. C'est trop fou, malade, oh mon dieu. Ah ouais, c'est quoi ça? On est vivant, Doggy, comment c'est possible? On était à l'intérieur de la tornade. Oh, Forlan, ça va, t'es pas blessé? Ouais, ça va, Alexia, on a eu de la chance, hein. Wow. En tout cas, je sais que ce travail est pas fait pour moi. Passons au prochain. Yo, les amis, c'est simple. Le sixième métier, c'est être un pro du skateboard. On peut faire des figures et tout, maintenant, avec le skatepark. Mais c'est pas un métier, ça, Fofo. Bah si, Doggy, vu qu'il y a des compétitions et tu peux gagner plein d'argent. Bon, c'est parti pour tester mon talent de skater. Wow, incroyable, ça va vite de fou. Wow, Fofo, tu y arrives super bien. T'as vu ça, Doggy? Je suis trop... Attention, Fofo, il y a le vide. Quoi, le vide? Ah, oui, ah. Aïe, les amis, je crois que je me suis cassé de partout. Vite, une ambulance. Mais bon, faut que je continue de vous montrer les métiers secrets. Bon, comme vous pouvez le voir, les amis, le septième métier, c'est bodybuilder. Et en fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est, eh bien, c'est une personne hyper musclée, comme moi. Matez un peu moi ça. Bon, je vais faire un peu de sport, et après, on passe au huitième métier. 998, 999, 1000, chez le corps de mes rêves. Stop, Fofo, passons au prochain métier. Je vais te mordre tes muscles pour les dégonfler. Oh non, pas ça. Ah, c'est pas vrai, j'y vais. Hey, les amis, bonjour. Huitième métier, je suis le président d'une grosse entreprise. Alors, pour vous expliquer ce métier secret en une phrase, en gros, je suis la personne qui a le plus d'argent dans mon entreprise. Et je gère tous les papiers et contrats. Bon, tous les trucs ennuyants, quoi. Et c'est vous le président Forlan? Oui, c'est moi. Il se passe quoi? On n'a pas rendez-vous? Vous êtes en état d'arrestation pour ne pas avoir payé les gens qui travaillent pour vous ce mois-ci. Attendez, mais quoi? Je viens juste de créer mon entreprise et... Non, tu viens avec moi sans discussion, patron. Tu vas aller en prison. Oh, c'est pas vrai, je croyais que c'était un mec qui travaillait là avec moi. Eh, attendez, monsieur, c'est un malentendu, non? Bon, les amis, je sais pas ce qu'il me voulait le type, mais en tout cas, j'ai changé de métier. Et pour mon avant-dernier métier, je suis un archéologue. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah mon but aujourd'hui, c'est de trouver des os de dinosaures sous terre. Mais bon, pour l'instant, je trouve rien. On m'a dit qu'il y avait des T-Rex dans Brookhaven. Regarde, Fofo, là-bas, près du tas de terre, il y a un truc qui dépasse. Ah bon, sérieux, Doggy? Laisse-moi voir ça. Oh mon dieu, t'avais raison, c'est des os. Vite, faut que je creuse. On a trouvé un truc de fou. Wow, incroyable, une toute nouvelle espèce d'humain a été découverte. Trop bien, les amis. Je vais appeler le musée. Et après, on passe au dernier métier secret. Oui, allô, le musée, j'ai trouvé une espèce d'humain qui s'appelle Bernard l'Ermite. Les amis, pour ce métier, je suis un garde de sécurité dans toute la ville. Et je suis avec mes deux collègues hackers. Et on cherche s'il n'y a pas de fuite d'informations via Internet. Et si c'est le cas, on doit récupérer toutes les données volées par d'autres personnes. Attention! Eh frérot, il y a une brèche. Faut vite la fermer avant que quelqu'un nous vole des infos. Ok, laisse-moi faire. Je suis un pro de l'informatique. Wow, Fofo, c'est super stressant. Le président est en danger si tu corriges pas ça. Tu as réussi, Emma? Non, redémarre les serveurs et vite. Ok, j'y vais vite. Il va pas s'en sortir comme ça. Bon, c'est parti pour le reset. Dans 3, 2, 1... Piratage évité. Ordre de tir. Quoi? Ordre de tir de quoi? Oh mon dieu, non! Likez, abonnez-vous vite! Je crois que j'ai fait une grosse bêtise! Tout Brookhaven va...